Alors, j'ai dit que c'était en seconde générale, mais elle reste pas vraiment générale parce qu'on a une option, une spécialité qui s'appelle l'EATDD. En EATDD, on a une fois par semaine, donc ça peut durer de 1h30 à 3h. Et donc, on voit toutes les filières qu'on va voir en première, dont la transformation, la production, l'aménagement et le service. Ça nous permet de voir autre chose, on fait plein d'activités, ça change. Les classes de seconde travaillent sur un thème particulier, donc nous cette année c'était les légumineuses. Pour d'autres classes c'était les abeilles, donc c'est vrai qu'on travaille pas tous sur la même chose. Tous les jeudis après-midi on sort, on a des cours sur ce thème-là, les légumineuses justement. Il y a un cours on avait travaillé sur les graines, on travaille sur beaucoup de choses différentes, sur beaucoup d'activités différentes à chaque séance. Et c'est vrai que c'est ça qui diversifie un peu les cours qu'il n'y aurait pas dans d'autres lycées. J'aimerais travailler avec les animaux, du coup veto rural plutôt. Du coup venir dans ce lycée aussi ça m'aide beaucoup parce que je vais du coup plutôt aller en STAV production qui est dans les élevages, etc. Je serais dans le concret. Si je partais en général, ça aurait été l'inverse, assis sur une chaise et j'aurais pas vu exactement vers là où je vais me tourner. Je vais faire un bac général à dominante scientifique. Après la terminale, j'aimerais rentrer à l'école de Gramma pour devenir soigneur animalier. Et il y a les études post-bac, après aussi il y a la prépa TB du coup pour les STAV et BCPST pour les généraux. Il y a aussi des BTS, etc. Donc il y a vraiment une plein de choses. Voilà. Le lycée, il est très beau, on a vraiment un bel espace, il y a beaucoup d'espaces verts où on peut se poser quand on a le temps. Et l'équipe pédagogique, elle est géniale, elle nous accompagne, surtout en ces temps de crise. C'est un grand complexe avec un petit lycée parce qu'on est peu, donc on se connaît tous. Les profs sont très présents avec nous pour nous suivre, que ce soit dans la poursuite d'études ou de comment on se sent ici. On n'est pas énormément, on ne se marche pas dessus. Il y a de la verdure, on respire. Même à l'internat, c'est plutôt agréable puisque c'est assez grand. Il y a beaucoup d'options au sport qui sont proposées. Ouais. C'est vrai que si on choisit la voie technologique, on continue les cours de ATDD qu'on a en seconde générale. Après, par contre, si on prend la voie générale, on n'a pas les cours, on n'a pas la spécialité ATDD. Moi, je suis très contente d'être ici, du coup, venez aussi parce que c'est vraiment un très beau cadre. On y apprend plein de choses.